Alors, nous allons donner le tracé du graphe de la fonction f de x égale a sur x. Avant tout, nous rappelons le tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini, sauf pour 0, il est exclu. Donc, x égale 0 représente une asymptote verticale. La dérivée f' de x, elle est négative de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Donc, la fonction f de x, elle est décroissante de moins l'infini à 0 et elle est décroissante de 0 à plus l'infini. À remarquer que la droite f de x égale 0 est une autre asymptote qui est perpendiculaire à la première. Il y a eu aussi de remarquer que la fonction est impaire. Comment? Nous avons vérifié que pour qu'une fonction soit impaire, il faudrait que f de moins x égale moins f de x. Est-ce que nous avons vérifié? Donc, le 0, le O, représente le centre de symétrie. Voilà.